l'ombre. Regardez les promesses. Regardez. C'est comme ça que ça commence. Ça, la force commence à travers les promesses. Lisez, regardez, regardez les promesses. La force commence à travers les promesses. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Je me confie en Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est Dieu qui te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. La promesse est là. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te guérit. Dieu te restaure. Si tu es malade de n'importe quelle maladie, tu as des maux de tête, des maux de ventre, tu as peut-être atteint d'une tumeur, tu es peut-être atteint du VIH/SIDA, tu es peut-être atteint de autre. Dieu te guérit maintenant. Crois, reçois, reçois par la foi, reçois la décharge de la promesse. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Oh Kadaba, oh Kadaba, oh Kadaba, oh Kadaba, Kinto Taba, He Kadaba Shaba. Travaille Seigneur, travaille Seigneur, travaille Seigneur, travaille. Merci pour la guérison. Il te délivre, Dieu te délivre, Dieu te délivre. Shabarababa, Kindoro. Oui, regardez, lisez. Du filet de l'oiseleur. Oui. De la peste et de ses ravages. Dieu te délivre de la peste. Dieu te délivre du coronavirus. Dieu te délivre de cette nouvelle forme de peste. Et des ravages. Le coronavirus ravage le monde. Mais toi tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu es protégé. Tu es gardé. Tu es préservé. Tu es entouré par le feu. Un ange est à côté de toi. La présence de cet ange est enflammée. Ce feu détruit toute forme de bactéries, de virus. Rien ne peut t'approcher. Le feu est sur toi. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour nos familles. Merci pour nos parents, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Merci, Saint-Esprit. Il te délivre de la peste. Il te délivre du COVID-19 et de ses ravages. Dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Oui? Les promesses. Mesdames et messieurs, je suis les promesses. Peut-être que je n'aborderai pas le deuxième point ce soir. Je reviendrai demain pour vous montrer. La force, la foi se trouve sur les promesses. Il vous faut trouver la parole de Dieu, les promesses. Si vous n'avez pas de promesses, même votre prière n'a pas de soubassement. Il vous faut trouver la promesse, ce que Dieu a dit. Car dans la promesse se trouvent deux choses: la parole, la garantie, et l'action. L'action qui doit arriver. Dieu a dit: je vais te délivrer des pestes, de toute forme de peste et des ravages. Lisez, regardez, regardez. Il te couvrira de ses plumes. Ouh! Et tu trouveras un refuge Manamanda, sous ses ailes. Moshebe. Sa fidélité est un bouclier. Il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Chantez ce qu'on dit. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il y a une alliance avec ceux qui ont Christ. Ceux qui ont Christ ne sont pas comme ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui ont Christ ne sont pas comme ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui ont Christ ne sont pas comme ceux qui n'ont pas. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Mon Jésus est fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur, serviteur de Dieu, vous et vos enfants, vous serez préservés. Vous qui servez l'Éternel, vous qui êtes dans le temple de Dieu, vous qui craignez son nom, vos bébés, vos enfants, vos épouses, vos parents seront préservés. Jésus est fidèle. Le Kolosheba, Ibalaoup, Shabarelele, le vent de l'Esprit, le vent, le vent, le vent. Alléluia. Oui, nous sommes en train d'explorer les promesses. Une partie, une infime partie des promesses. Les promesses sont nombreuses. Les promesses sont nombreuses. Regardez, lisons, on va lire, regardez, regardez les promesses. Mesdames et messieurs, notre combat appuie les promesses. Ce démon, je ne sais pas, il a fait un pacte avec des scientifiques ou bien je ne sais pas quoi. Il est venu, mais nous on a des promesses. Lisons, regardez. Tu ne craindras ni les terreurs à cause des de promesses, la nuit. Hein, à cause des promesses, tu ne craindras point la terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole le jour.
même si on t'envoie une flèche empoisonnée le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ouais, le coronavirus. Ni la les objets, le coronavirus. Sur les plateformes, le coronavirus. Sur les vêtements, le coronavirus. Dans les transports en commun, le coronavirus. Même si ça marche, même si ce virus marche quelque part. Il y a un feu dans les promesses. Mets ta foi sur ces paroles. Mets ta foi sur ces paroles maintenant. Et le feu va se déclencher dans ta vie. Les promesses sont là. Maintenant, mets ta foi sur ces paroles. Au Koleka, je déclare maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en confinement, je vous déclare guéri. Je permets par les promesses et par la puissance du Saint-Esprit que les symptômes disparaissent et que les médecins constatent que vous avez développé des anticorps et que vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La victoire par les promesses. Tout commence par les promesses. Tout commence par les promesses, mesdames et messieurs. Tout commence par les promesses. Oui, les promesses. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui. Hein? Vous ne serez pas contaminé. Le texte dit, vous ne serez pas contaminé. Même si cette contagion se manifeste en plein jour. Vous savez que dans le cadre du Gabon, le couvre-feu a été instauré la nuit. La nuit. Mais le texte nous dit que, attention, la contagion là va venir le jour. Mais la Bible dit que même si ça vient le jour, en plein midi, vous ne serez pas atteint au nom de Jésus-Christ. Amande de jour. Le feu. La foi commence par les promesses. La victoire commence par les promesses. Alléluia. Oui. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Il s'agit de non-chrétiens. Il s'agit de ceux qui n'ont pas leur appui sur Dieu. Ceux qui attendent les scientifiques risquent de tomber. Non. Jubo robo sakaba. Il dit, même si certains tombent ici, même si l'autre tombe de l'autre côté, toi, akaba. Lisez. Tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. Voici la promesse. Tu ne seras pas atteint. La promesse, tu ne seras pas atteint. Dans un taxi, tu ne seras pas atteint. Dans ta maison, tu ne seras pas atteint. Tes enfants ne seront pas. Regarde, la promesse est là. Tu ne seras pas atteint. Confesse cela. Proclame la promesse. Tu ne seras pas atteint. Si tu es médecin, si tu es infirmière, tu es à l'hôpital, tu travailles jour et nuit à cause des malades, tu ne seras pas atteint. C'est toi qui conduis l'ambulance, tu ne seras pas atteint. Peu importe, tu ne seras pas atteint. La promesse est là. Appuie-toi, mets la foi sur la promesse. Ce texte est à des siècles avant le coronavirus. Ce texte est une révélation des siècles avant que tu ne sois une nation, avant que tu ne sois un peuple, avant que ton pays ne s'organise. Ce psaume était déjà écrit. Dieu avait promis que des pandémies allaient venir, allaient frapper le monde. Il a donné la promesse, tu ne seras pas atteint. Kocha, Keba, Kunto, Toka, Palapo, Metele, Foudebo. C'est là où la victoire commence. La guerre commence par là. Quand vous connaissez les promesses de votre camp, quand vous connaissez les promesses liées aux soldats, alors vous comprenez que la victoire est de votre côté. Tu ne seras pas atteint. La promesse ne dit pas que tout le monde ne sera pas. La promesse dit, ils tomberont à ta gauche, à ta droite. Les gens tomberont, sauf toi. Reçois cette promesse. Que ta foi augmente. Oui, Shabbat. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Oui, tu verras les méchants mourir des pandémies. Sauve-toi. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Sauve-toi. Tu n'as pas volé l'argent de ce pays. Tu n'as pas fait des détournements des deniers publics. Sauve-toi. Tu ne seras pas atteint. Tu n'as pas commis des crimes rituels. Tu ne seras pas atteint. Tu n'as pas assassiné des hommes à cause des intérêts politiques ou des intérêts financiers, économiques. Tu n'as pas tué des gens. Toi, tu ne seras pas atteint. Ce sont ces gens qui seront atteints, pas toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu verras le méchant être atteint, pas toi. Waouh! Mesdames et messieurs, voici les promesses de la puissance. Je vous invite à continuer à lire. À continuer à lire ce psaume chez vous. Et de voir combien de fois ces promesses avaient déjà anticipé. Dieu avait anticipé les pandémies. Il avait anticipé. Dieu savait que les pandémies allaient arriver.
Dieu savait que l'enfer, à un moment, devait libérer des démons qui devaient envahir, essayer de détruire le monde. Dieu le savait. Il nous a envoyé des promesses. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Alors, quand vous voulez vaincre, quand vous voulez vous voir au-dessus, n'est-ce pas, de cette guerre, il vous faut d'abord attraper et recueillir, collecter les promesses. C'est sur la base de ces promesses que je vais donc chaque fois vous donner comment faire pour faire reculer ce démon. Le démon est informé que nous l'avons localisé. Il sait que contrairement aux autres, nous ne croyons pas que c'est un simple virus. Nous avons le virus d'une part et nous avons la source de ce virus d'une autre part. Un démon sorti de l'enfer, passé peut-être par un animal et qui maintenant veut exterminer la race humaine. Donc, retenez ce soir pour cette émission, pour ce partage, que chacun de nous commence à se tourner vers la Bible et à collecter les promesses. Mesdames et messieurs, c'est très important. Si Dieu nous a envoyé les promesses, c'est pour que nous puissions les connaître. Dès ce soir, je vous invite à collecter les promesses. Et vous allez voir que quand vous allez collecter les promesses, votre foi va augmenter. Votre statut va s'affirmer. Ne restez pas comme ça pendant ce temps de pandémie à être dans vos maisons et vos téléphones portables à suivre n'importe quoi. Collectez les promesses. Collectez les promesses de Dieu. Les promesses qui montrent que vous allez survivre, que vos enfants vont survivre, que votre maison va survivre. Collectez les promesses, je vous en supplie. Devenez un soldat de Dieu. Ne restez pas là. Beaucoup, des milliers de gens sont dans leur maison en train de faire du n'importe quoi. Ils attendent que les scientifiques esclaves trouvent le remède. Il ne s'agit pas d'un remède facile. Il s'agit d'un démon qui aveugle le monde scientifique. Un démon qui veut d'abord exterminer le maximum d'hommes avant de permettre aux scientifiques de trouver le remède. Mesdames et messieurs, je vous en prie, vous êtes chrétiens, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fils du royaume de Dieu. Permettez-vous de rentrer dans le camp de ceux qui exterminent, qui brisent la force, qui détruisent la force de ce démon et qui renvoient ce démon en enfer. Appuyez-vous sur les promesses. Collectez les promesses et commencez à prier sous la base des promesses. Ces prières sous la base des promesses vont monter au ciel. Vont monter au ciel comme de la vapeur. Dans bientôt, une pluie va tomber sur terre. À cause des promesses. À cause des promesses. Je me souviens de Actes chapitre 4, lorsque les apôtres ont élevé des promesses ensemble vers Dieu. Ils ont dit à Dieu, il est écrit que ton prince, que Jésus-Christ sera persécuté. Regarde maintenant, Pilate et les autres nous persécutent. Oh Seigneur, fais descendre ta main comme tu as promis. Et la Bible dit qu'après leur prière, le lieu où ils étaient, ils avaient reçu la puissance parce qu'ils avaient élevé les promesses. Les promesses étaient montées. Les apôtres avaient élevé les promesses. Alors une force incroyable est tombée sur terre. Le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Il faut que l'église élève les promesses. Il faut que l'église élève des promesses, que l'église, que les chrétiens, pendant toute cette nuit, collectent les promesses. Collectons les promesses, collectons, fouillons la Bible. Il y a des promesses contre des forces négatives. Il y a des promesses contre des démons qui sortent de l'enfer. Il y a des promesses. Kolama, Biribus, Bala. Il faut que les promesses montent, comme la vapeur qui monte vers le ciel. Il faut que les promesses montent. La Bible déclare que Dieu reçoit les prières dans des coupes d'or, les promesses, ça monte. Et quand Dieu aura reçu les promesses, d'après Luc 18, il est écrit quand mes enfants auront crié jour et nuit, quand ils auront crié, et on ne crie pas à Dieu sans promesse, on rappelle à Dieu ses promesses, il est écrit réveille ma mémoire. Quand tu élèves des promesses, quand nous élevons des promesses, alors la pluie tombe. Le pouvoir qui ferme l'enfer, les forces, les anges qui combattent les démons descendent en masse et renvoie ce démon en enfer. Kabasha, Ribo. Alors je vous laisse sur cette note. Je vous laisse sur la note, mesdames et messieurs, la guerre a commencé. Collectez les promesses. Je vous laisse sur la note de collecter les promesses toute cette nuit et d'élever votre voix au ciel par les promesses. Demain, je reviens et je vous montre la deuxième étape de la guerre. Parce que nous sommes rentrés maintenant. Première étape, collecter les promesses, élever des prières remplies de promesses
pour que les anges viennent. Pour que les anges viennent. Pour que les anges viennent. Dans toute la Bible, les anges ont détruit les démons. Dans toute la Bible, les anges ont fracassé l'œuvre des démons. Dans toute la Bible, Michaël et ses anges sont venus. Même quand un démon a visité Daniel, a frappé la terre pour empêcher Daniel de recevoir la réponse de Dieu, Michaël est arrivé. Quand Jésus était persécuté à Gethsémané, Satan était là dans le jardin. Un ange est descendu pour le fortifier. Alors c'est le moment de faire venir les anges en collectant les promesses. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir, c'est simplement encore, nous avons envoyé les bandes sur votre téléphone, votre tablette. Vous pouvez voir que vous pouvez participer, n'est-ce pas, soutenir ce ministère par tous les moyens. Et Dieu vous bénira, et Dieu vous remplira, et Dieu vous accordera sa prospérité et sa bénédiction. Nous sommes en temps de travail, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, beaucoup de choses se font, et vous pouvez soutenir ce ministère. Demain, lundi, je serai avec vous. Oui, je serai avec vous, voyez-vous. Vous allez voir sur nos pages, nous vous donnerons l'heure et nous allons venir. Je vais continuer sur de la foi à la guerre. Croix pour se battre. Nous sommes rentrés dans le combat. Maintenant, nous ne serons plus les simples chrétiens. Nous sommes des guerriers. Nous allons renvoyer ce démon en enfer. C'est un problème de temps. Quand le démon sera retourné en enfer, vous allez seulement entendre les médias dans le monde vont dire le virus, le remède a été trouvé. Terminé. Au nom de Jésus, sans que votre famille ne soit atteinte. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons et offrande au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'Évangile de se répandre par votre participation financière.